La lune noire, cette puissance insaisissable dans notre espace, celle qui réveille nos cauchemars et éveille nos sens à la fois. Jouant sur nos instincts pour éveiller nos consciences ou pour subir les conséquences de nos choix, car Lilith propose, nous disposons. Elle est l'élément déclencheur, mais nous sommes les seuls acteurs. La lune noire est liée à tous les extrêmes, comme une énergie négative à vaincre. Mais si nous réussissons l'étape, elle conduit vers la libération. Son but ultime, sous ses noirs desseins, l'évolution. Seul notre libre arbitre n'est pas sous son emprise, à moins qu'il ne soit sous l'emprise d'autre chose. En réalité, Lilith, la lune noire, nous permet de prendre conscience de ce que nous alimentons et puissions alors choisir de transformer, transcender ou continuer ainsi. En astrologie, la lune noire représente une épreuve à dépasser pour résoudre une problématique karmique. J'avais défini que l'ensemble de ce cycle porterait sur nos libertés. Lors de son transit en bélier, les confinements nous ont enfermés et isolés. Lors de son passage en taureau, de nouvelles obligations ont été mises en place et nous avons été déstabilisés. Enfin, dans son transit en gémeaux, je vous annonçais beaucoup de censure ou de communication transformée. Ainsi, Lilith poursuit son œuvre et va à présent transiter le signe du cancer à partir du 14 avril 2022. Le signe du cancer est principalement lié aux émotions, à la sécurité physique et affective. La sensibilité est forte, ainsi que les intuitions. C'est le quatrième signe du zodiaque, de l'élément eau, et gouverné par la lune. Mais le signe du cancer est aussi lié à la famille, le foyer, les origines, le passé. Il représente la matrice dans laquelle on se construit avec nos croyances, certitudes et traditions. L'une des peurs les plus présentes chez le cancer est probablement celle de l'abandon. Et l'une de ses plus grandes facultés est de s'attacher facilement. Dans une dimension plus spirituelle, le cancer a une affinité particulière avec la nature. Il est aussi la porte d'entrée des âmes dans l'incarnation. Il est d'ailleurs associé à la fécondité et la gestation. C'est également un puissant créateur. La lune, maître du cancer, relie ce signe à la nuit, au rêve, au désir, à l'imagination ou encore à l'illusion. Elle place souvent le cancer hors réalité, peut le rendre fragile ou manipulable. Pourtant, la lune permet aussi de déceler les non-dits ou révéler les mensonges. Le cancer a la particularité de tout analyser par le prisme du ressenti et des émotions et de réagir en fonction de celles-ci. La réflexion ne survient réellement qu'après. Paisible par nature, il n'aime pas les conflits et se replie très rapidement pour se protéger. De caractère, le cancer est sympathique, tendre, joyeux et transmet facilement son enthousiasme. Il est aussi très tenace dans ce qu'il entreprend. Inspiré et inspirant, le cancer est facilement au centre de l'attention. Mais pour laisser apparaître toutes ses belles capacités, le cancer a besoin de se sentir aimé, soutenu et en sécurité. Les défauts les plus présents dans le cancer sont l'inquiétude permanente, la rancune, l'hypersensibilité ou encore l'hyperémotivité, la peur de l'insécurité, la timidité, mais aussi la rêverie ou encore la possessivité. La lune noire va interagir sur l'ensemble des caractéristiques du signe du cancer. Elle va en priorité le priver de ce qu'il aime et augmenter tout ce qu'il n'aime pas et même ce qu'il redoute. Et les domaines d'action principaux seront la sécurité et la gestion émotionnelle. Au niveau de la sécurité, il peut s'agir de la sécurité physique, mais aussi de la nourriture. Lilith peut créer des manques, des besoins alimentaires qui ne peuvent pas être comblés.
Pour la sécurité physique proprement dite, elle peut créer un climat de tension à grande échelle. Il peut s'agir aussi de dégâts dus à des événements climatiques peu rassurants, notamment en rapport avec l'eau. Mais il peut s'agir aussi de nombreux accidents, surtout dans les transports en commun, puisque la Lune, maître du cancer, est aussi associée à la foule. D'ailleurs, lors du dernier transit de Lilith dans le signe du cancer entre juin 2013 et mars 2014, il y eut de nombreux accidents, notamment de train, un naufrage important à Lampedusa et le typhon Haiyan aux Philippines. Tous les effets sur la sécurité déclenchent évidemment tout un tas d'émotions car il y a l'émotionnel lié à ce qui est détruit, subi ou perdu, notamment si l'on perd des êtres chers dans ces catastrophes. Dans l'ensemble, on perd confiance. On en veut à tout. On cherche des réponses autant que des coupables, mais on ne trouve que l'amertume liée à la peur qui se renforce. Dans ce lot d'émotions, l'amour côtoie la haine, l'une n'allant pas sans l'autre. Dans tous les cas, la peur est maintenue, et même entretenue, mêlée dans la rancune et la trahison. Qui croire, quoi croire, car nos sens sont activés et interdépendants d'une réalité créée sur une illusion et le mensonge, avec des effets pourtant bien palpables. Où est la vérité? Comment on en arrive là? Pourquoi tant de souffrance et de désespoir? Et quelle est notre responsabilité? Celle de l'ensemble de notre humanité, mais aussi nos responsabilités individuelles? Qu'avons-nous accordé pour un peu de sécurité? À quoi avons-nous consenti pour notre bien-être? Voilà des questions que Lilith en cancer nous invite à nous poser. Quant à la nourriture, pourrait-on envisager comme action de la lune noire des pénuries ou des restrictions alimentaires ou encore une telle inflation des prix que l'achat de nourriture devient un luxe? Comme nous le verrons dans l'étude astrologique de l'entrée de Lilith en cancer, elle se réalise dans la maison 8, celle qui parle entre autres de l'économie. Mais Lilith ne va pas seulement agir sur la sécurité. Elle va sans doute agir également sur nos habitudes, nos croyances, nos connaissances, nos origines. Et rappelez-vous qu'avec Uranus actuellement en taureau et Pluton en capricorne, tout est en place ici pour modifier et transformer notre quotidien. La vie d'après ne sera plus jamais la même. Ainsi, en plus de transformer nos bases, Lilith va créer le doute et l'incertitude. C'est la matrice dans laquelle nous nous sommes construits qui évolue vers une nouvelle matrice. On peut se sentir ici aussi en totale insécurité quand les croyances ou les espoirs s'effondrent, mais on peut aussi se sentir totalement étouffé si les changements ou les règles imposées nous font ressentir l'empêchement, l'enfermement ou encore la surveillance. À être toujours sur le « qui-vive », la créativité du cancer est bridée. Davantage branchée sur le mode survie et l'état psychique à la fois en alerte et dépressif, remontent alors les peurs de l'abandon. Or, la lune noire est ici couplée à l'axe des nœuds lunaires en taureau-scorpion, qui pendant plusieurs mois encore nous pousseront au détachement, à subir des pertes ou transformant les relations, un axe qui lui aussi au passage joue sur l'aspect économique et émotionnel et sécuritaire. Avec Lilith en cancer, on peut également imaginer moins de naissances. La fécondité étant diminuée, les femmes peuvent avoir plus de difficultés à tomber enceinte. Mais dans un niveau plus subtil, en tant que porte, on peut imaginer que durant cette période, les âmes ont beaucoup plus de difficultés à s'incarner, ce qui peut aussi se traduire par une augmentation du nombre des fausses couches. En parlant de l'aspect féminin en général et en rapport avec la lune maître du cancer, on peut aussi penser à des actions de Lilith sur tous les cycles, pas seulement les cycles de la femme, de tout ce qui est cyclique, donc qui revient généralement à intervalles réguliers, dans l'idée bien sûr
que ces cycles soient perturbés, déréglés. Sans forcément être irréguliers, on peut aussi dire qu'ils peuvent être plus intensifs ou à l'inverse, inexistants. Le point commun dans l'un ou l'autre cas, c'est qu'ils seront nettement moins créatifs. Il peut s'agir des cycles des marées, des cycles menstruels, mais aussi des perturbations des cycles du sommeil, ou pourquoi pas celui des saisons, ou un dérèglement climatique, ou encore simplement parler du recyclage. Et dans le sens de recyclage, il peut s'agir de choses transformées et ou qui reviennent en force. Ces choses qui reviennent en force, pour rester dans la peur et l'émotionnel ainsi que l'actualité, cela peut correspondre à, par exemple, un nouveau virus plus virulent, des lois ou des restrictions revues et corrigées pour ne plus pouvoir être remis en question, des obligations ou encore, dans le pire des cas, la guerre qui est un phénomène qui s'est toujours reproduit depuis des siècles, un peu comme un cycle. Pour résumer, voici quelques mots clés liés aux diverses possibilités de l'action de la lune noire en cancer. L'insécurité, une insécurité générale ou liée au transport en commun, mais aussi l'insécurité émotionnelle. L'approvisionnement alimentaire peut être perturbé ou on peut parler de rationnement. La perte des repères, les peurs entretenues, la sensation d'étouffement, de trahison, de surveillance, un climat de guerre ou de destruction, des cycles déréglés, des pertes humaines possibles, un déracinement ou des mouvements migratoires, le problème économique et l'inflation qui augmente, et des dégâts en rapport avec l'eau. Mais Lilith en cancer, comme tout, a des aspects positifs qui pourraient être utilisés. Rappelons que le but de tout cela est de permettre à tout un chacun d'évoluer. Et Lilith en cancer, comme nous l'avons vu, va tout mettre en œuvre pour attiser nos émotions. Le travail, entre guillemets, qu'elle nous demande est avant tout de comprendre l'impact qu'ont nos émotions et nos réactions émotionnelles. Rappelons que le cancer est un puissant créateur. Nous devons donc prendre conscience que nous créons par nos émotions et qu'il est plus que temps non seulement d'en prendre conscience, mais aussi d'apprendre à les gérer. Et s'il nous est encore difficile de les gérer, nous pourrions au moins déjà comprendre que nos émotions sont pour la plupart à l'origine des consentements que l'on accorde à jouer et donc de ce que nous vivons. Je renvoie une fois de plus sur la vidéo du consentement inconscient, mais aussi sur toute la série de l'acteur découvre le jeu, dont vous trouverez les liens en dessous la vidéo. Je dirais juste qu'il est naturel de ressentir les émotions, mais c'est ce que nous en faisons, les choix qu'elles nous conduisent à prendre ou les actions qui en découlent, qui façonnent nos vies. Et là, je vous renvoie sur l'étude du tarot de l'année dans laquelle je vous expliquais cela avec la lame de l'amoureux. En fait, il nous est possible de réellement prendre conscience de notre pouvoir, ce qu'évidemment certaines entités ou certains égrégores ne souhaitent pas. Mais d'un autre côté, des émotions malmenées ou des intuitions exacerbées peuvent aussi nous permettre de nous recentrer sur nous-mêmes comme le fait le crabe lorsqu'il se cache dans le sable. C'est l'occasion de s'intérioriser et de faire un bond quantique dans les émotions, dans le domaine du ressenti, et d'en sortir totalement transformé. En plongeant au fond de la noirceur, on y trouve la lumière. On peut alors réellement aller se reconnecter à sa lumière intérieure, comprendre qui l'on est, et même renouer avec notre propre pouvoir. Ce qui sera notamment le but de Lilith en Lion, mais ce sera dans le prochain épisode. Pour le moment, avec Lilith en cancer, je n'ai qu'une question à vous poser. À quoi consentez-vous de jouer? Pour donner un exemple concret, et c'est aussi en lien avec l'étude du tarot de l'année,
Avez-vous remarqué comment nos émotions sont entretenues et manipulées? Dès qu'un sujet faiblit ou que la peur diminue, un autre sujet prend le relais. Dans ce système, cela représente en quelque sorte la flèche de Cupidon. Dès que vous éprouvez un sentiment ou une émotion envers le sujet sur lequel pointe la flèche, vous actionnez inconsciemment la roue du destin et donnez votre consentement à jouer. Je ne dis pas que les événements ne sont pas réels, ils le sont. Je dis juste que si vous regardez de l'autre côté, que vous vous branchez à l'intuition, la sagesse et la réflexion intérieure, et si vous preniez quelque distance, vous ne fournissez plus d'énergie à la balance. Celle-ci ne peut alors que finir par s'arrêter. Aussi, je vous laisse méditer sur tout cela et je vous prépare une autre vidéo centrée principalement sur l'étude astrologique de l'entrée de Lilith en Cancer. Une vidéo que vous découvrirez très bientôt et qui est aussi pleine de significations et de symboles très intéressants. Prenez soin de vous et à très bientôt.